President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is back in session. Reprise de l'audience. And the chamber now gives the floor to the defense team for Mr. Kyusumpong. You may now proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour à toutes les parties. Good afternoon to all parties. Good morning to all parties, correct interpreter. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle donc Arthur Verken. Witness, et je suis my name is Arthur Verken, and I'm one of the counsels for Monsieur Kyusumpong. Mes premières questions and vont porter sur les raisons de votre entrée dans la révolution. For you having vous en avez parlé lors de vos entretiens avec le CDCAM, également plus tard avec les enquêteurs des juges d'instruction. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qui vous a motivé, pourquoi vous avez décidé de rejoindre les rangs de la révolution. Answer. The reason that I joined the revolution is that it is because the coup d'état je suis entré dans la révolution en raison du coup d'état de London to topple King Sihanouk, late King Sihanouk, renverser le régime and du roi Sihanouk. After the coup d'état, late King appealed après le coup d'état to his children to le roi a lancé un appel à ses enfants in order to overthrow the Lunnol regime. Lutter et renverser that is why I joined the revolution at that time with other people. Avec d'autres personnes. Et d'un point de vue plus personnel, concernant votre histoire propre, est-ce que il y avait également des motifs leading you to do that, poussé à rejoindre that led you to join the revolution. Answer. It was also because of the aerial bombing by Lunnol forces par les and the de my house was destroyed by ma maison était détruite the aerial bombing. Par de tels bombardements. And in addition to that, Lunnol forces and soldiers came into the villages and these soldiers qui plus had est, no les morals. Soldats de Lunnol entraient dans les villages et n'avaient aucune moralité. And because all of these, I joined the with King Sihanouk c'est donc to overthrow Lunnol's regime. J'ai rejoint le roi Sihanouk pour renverser le régime de Lunnol. Je comprends. I understand ce que vous dites. What you're telling est-ce que vous pourriez donner un exemple de cette absence de moralité with an example des soldats of this de lack of morality parler on the part of the Lunnol soldiers? Answer. I remembered that, for example, when the Lunnol soldiers souviens, exemple, came into one particular village, they would take whatever they saw and wanted. Ils pillaient. Ils prenaient for tout ce qu'ils instance, voulaient. Livestock, a chicken, du bétail, or ducks. Would be des poulets, stolen des canards, by these soldiers. Les soldats volaient at free will. Le bétail comme ils voulaient. This soldier would ask the villagers to give chicken or ducks. But if they did not find any owners of livestock, they would take chicken and ducks anyway. I believe that they wanted to eat meats of chicken and ducks.
pense qu'ils voulaient manger du canard ou du poulet. Those livestock. That is why I said they lack c'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'avaient aucune moralité. Je vous remercie pour ces détails. Thank you for these details. Je voudrais vous reposer une question qui vous a déjà été posée afin de clarifier votre déclaration à ce sujet. Je voudrais vous demander à quelle date vous vous souvenez avoir été envoyé sur le chantier de l'aéroport de Kampong-Chenang Airfield Worksite. What was the date? Si vous êtes en mesure de if of course you can provide me with this date, par rapport à un autre événement. Of course you could also put this in the context of another event. Answer. From my recollection, it happened in late 1976 and early 1977. I remember that it was in January. Je me souviens que c'était en janvier. Whether it was in the January of 1976 or perhaps in 1977. Mais peut-être aussi janvier 77. Est-ce que vous vous souvenez si au moment où vous avez été envoyé sur le site du chantier de l'aéroport, Hun avait déjà été arrêté? Ou c'était avant son arrestation? Or did this happen before his arrest? Answer. Hun had already been arrested. Hun avait déjà été arrêté. D'accord. Fine. Hier, monsieur le procureur yesterday, vous a présenté un document, showed a document to you qui était un, which, un étendard révolutionnaire was an issue of revolutionary flag du 8 août de 1975. This is document E3/5. Et je voudrais and vous en lire like un extrait an excerpt to you, qui n'a pas été lu hier, which wasn't read out yesterday, donc de cette revue an du régime therefore Khmer from Rouge. This issue of revolutionary alors, ce sont flag, les ERN so the ERN Khmer, Khmer 00063340 français French, 005 anglais 004 01 500. Dans l'extrait que je vais lire, il est question des deux tâches essentielles qui étaient confiées à l'armée. C'est le chapitre 4. Je lis les nouvelles tâches de notre armée révolutionnaire. Les tâches de notre armée révolutionnaire sont celles que le parti lui a confiées. The tasks that il y en a deux, la défense du pays et l'édification du pays. Building up the country. Il s'agit donc de deux grandes tâches que le parti a soulignées. Ces deux tâches sont liées l'une à l'autre parce qu'il faut pouvoir défendre le pays, pour pouvoir édifier le pays. Et il faut bien édifier le pays pour pouvoir bien défendre le pays. Free je voulais savoir, donc, fin de citation, et je voulais vous demander si lorsque l'on vous a envoyé sur le site secret de l'aéroport, on a justifié cette affectation par cette tâche qui était confiée à l'armée, tâche d'édification, construction du pays. Answer. I was not instructed and told in detail concerning the obligation of our soldiers. Je n'ai pas reçu d'instructions détaillées sur les obligations de nos soldats de défendre le pays. When there were meetings,
they would come and call us pendant les réunions, into the meeting, and as I stated, nous étions convoqués, South West Zone cadres came to supervise my unit at that time. And il y a eu des réunions, nous y avons été convoqués, et des cadres de la zone sud-ouest sont venus surveiller notre travail et pouvaient convoquer des réunions, peu importe si nous étions au travail ou au repos. Et ces réunions portaient sur quel sujet ? What were the topics of these meetings? Answer. They told us to get ready and go to work at the Kampong Chenang airfield. De nous tenir prêts et d'aller travailler au chantier de l'aéroport de Kampong Chenang. Alors, vous avez déclaré à cette barre, monsieur, à plusieurs reprises, que votre travail à l'aéroport, au sein de l'unité 17, était plus lourd que le travail que l'on confiait à d'autres unités sur le même chantier. Et je voudrais vous lire un extrait de la déposition d'une personne qui faisait partie de la même unité que vous, sur le même chantier que vous. Et alors, c'est la cote E3-471, ERN Khmer 001-72-080, ERN français 002-05-05-018 et anglais 002-23-337. C'est un monsieur qui a un nom de qui a reçu un nom de code dans le cadre de ce procès qui est TCW 882. Il avait 19 ans en 1977. Alors, voilà ce qu'il dit à propos des conditions dans la même unité que vous. Il dit, la question qu'on lui pose, c'est à l'aéroport de Kampong Chenang, de quoi se composait le régime alimentaire ? Vos conditions de travail étaient-elles toujours médiocres ou meilleures ? Et lui répond, on travaillait moins difficilement. Mais nous ne mangeions pas à notre faim. On recevait deux canettes de riz par jour, l'une le matin et l'autre le soir. L'interrogateur répond d'accord, puis le témoin continue en disant la portion était mesurée pour chacun. Alors, je voulais vous demander de réagir à cette déposition de cette personne qui indique que le travail nous semblait moins difficile que la précédente affectation de la même unité que vous. Quelle est votre réaction à cette déclaration Answer. The statement which was given by one witness cette déclaration is partly correct. Et exact. And regarding my unit, we did not have enough food to eat, and the work pas assez à manger was so difficult compared to others. And as I told the court already, members of my unit were strictly selected. Les membres de mon unité ont été choisis. If they wanted us to complete the work,
they would ring the bell, and members of my unit had to go to work after hearing la cloche, the signal. Et lorsque l'on entendait le signal, nous allions travailler. And this witness was there with me at the work site. He was in different unit, était avec moi not in the same travail, unit as mine. Mais n'était pas dans la même unité que moi. I did not know this person. Je ne connaissais pas cette personne. En même temps, je ne vous ai pas donné son nom. I did not give you his name, so effectivement, je ne vois pas comment vous pouvez affirmer ne pas understand how you can say le connaître. Je vais d'ailleurs, j'ai préparé, si Monsieur le Président vous m'y autorisez, en Khmer, une feuille sur laquelle figure le nom de la personne. Donc peut-être que je peux la faire remettre. Maybe I could give this document to the witness. Menteri Lakayo Eksanis Jun. President Korofzer, please bring that document and show to the witness. Huissier d'audience, veuillez remettre le document au témoin. Monsieur le témoin, vous avez pu lire le nom de cette personne? Est-ce que vous la connaissez? Do you know this person? Witness, I did not know this individual. Je ne connais pas cette personne. D'accord. En tout cas, pour votre information, well, in any case, ce monsieur a bien indiqué qu'il faisait partie de la même unité que vous. Et cette même personne, lorsqu'elle a été entendue par les juges d'instruction en code E3-471, c'est la référence en français 00-20-50-20-5019. En Khmer, c'est 00-17-20-80. Je donnerai juste dans quelques minutes la référence en anglais. Give you the English, ERN very soon. On lui a demandé and he was asked, la question suivante. Durant votre travail à l'aéroport de Kampong Chhnang, quelles étaient des mesures prises par des supérieurs à l'encontre des personnes fautives? Et il a répondu, rien n'était marquant dans mon unité, mais je n'en sais pas trop pour d'autres unités. Voilà ce que ce même individu déclare à propos de said traitement regarding spécial specific treatment that was meted out to unit 17. Réaction à ce sujet. Do you have any reactions? Préciser que la référence en anglais est l'ERN 0022-33. Ça c'est avec ça tout le président. Mr. Witness, you can see the document on before you on the desk. Le document est devant vous. You may now continue. Maître, vous pouvez poursuivre.
Oui, je crois que j'ai été coupé lorsque je donnais la référence en anglais, donc je reprécise que la référence est de 002-23-336 et qu'à cette page de son interrogatoire par les enquêteurs, le témoin dont je parle déclare que il n'y avait pas de traitement particulier vis-à-vis de l'unité 17 sur l'aéroport. Somtelo Brignan. Le président. President, you may now proceed. Co-prosecutor. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ce témoin parle de l'unité 17 à la page précédente, mais dans l'extrait qui a été lu, il est bien dit, rien n'était marquant dans mon unité. Je n'en sais pas trop pour d'autres unités. Il ne parle pas là de l'unité 17, il parle d'une unité. Il faudrait peut-être faire préciser si, dans ce cas-là, c'est bien toute l'unité 17 ou bien si l'unité 17 avait été fragmentée en plusieurs unités sur le site de l'aéroport. Je crois que c'est ambigu comme question. Et la question généraliser ce qui s'est passé au sein de l'unité 17 et ce n'est pas la citation. Tends to generalize what happened la citation n'en parle pas exactement. And the quote does not mention, give us enough clarification in that regard. En fait, il suffit de lire, Monsieur le Président, cette déposition pour voir que ce témoin est intégré à l'unité 17 avant d'aller à Kampong Chhnang, sur la page qui précède celle que j'ai citée. Donc, il ne parle pas d'un changement d'unité lorsqu'il arrive à Kampong Chhnang. Il déclare que le traitement de son unité est identique aux autres. President, you may now proceed, lead co-lawyer. La parole est à la co-avocate principale pour les participants. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite précision, il est indiqué dans le document qu'il a été retiré de cette division pour travailler plus tard avec les Chinois. Et je suis ERN en français, excusez-moi, 002-05-018. Donc il semblerait effectivement qu'à un moment, durant sa présence à Kampong Chhnang Airport, il était été retiré de cette division pour travailler plus tard avec les Chinois. C'est en tout cas ce que je lis. That's what I understood. Bon, écoutez, il est retiré, je ne sais pas s'il est retiré, moi je ne le vois pas, mais je vois qu'effectivement à Kampong Chhnang, il a travaillé avec les Chinois. Et nous savons tous ici qu'il y avait de très nombreux techniciens chinois sur place. Bref, monsieur, c'est un débat entre avocats, mais vous-même, est-ce que vous avez une réaction au fait qu'il existe, à mon sens ici, très clairement une personne qui décrit des conditions de la même unité que vous, à Kampong Chhnang, les mêmes que pour les autres, that apparently were the same as in the other units. Peut-on allumer? Can we please turn on the micro? Kong Lop Pumper Nung. Witness. There were many members in Unit 17. L'unité 17 était composée of us, or more than that. Plusieurs personnes, au moins 50. Other units received light work, and for my unit, as I told the court already, we had more difficult work to do. Notre travail était plus difficile. After we were transferred from
Phnom Penh Après to the work site, de Phnom Penh au chantier, 50 of us or more than that 50 ou même plus were selected and put in one particular unit, that is unit 17. And unit 17 was sent to work at Kampong Chnan work site. Sur le site du chantier de Kampong Chnan. Est-ce que lorsque vous étiez sur le site du chantier à Kampong Chnan, vous pouviez écouter la radio? Were you allowed to listen to the radio? Could you listen to the radio? Answer. Yes, I could listen to the radio, but not in public. Pouvions écouter la radio, mais en cachette, ou du moins pas en public. When I was on guard at night time, quand j'étais de garde, I could listen with low voice. Je pouvais écouter, but we could not faible volume. Tune in the radio loudly. Et nous ne pouvions pas in the group. Ça ne pouvait pas être trop fort. Il y avait d'autres travailleurs avec vous qui so eux aussi écoutaient la radio, n'est-ce pas? Who would listen to the radio, is that correct? Answer. Not many of us listened to the radio because of the work that we did. We needed more time to rest, not listen to the radio. Not many of us listen to the radio. Reposer, donc nous n'étions pas beaucoup à écouter la radio. Perhaps one or two people who were on guard at night time would listen to the plus, radio. Qui étaient de garde la nuit, écoutaient la radio. Est-ce que vous pourriez nous décrire la qualité, le type de relation que vous entreteniez sur ce chantier avec les ingénieurs, les Chinois qui se trouvaient sur place? Comment cela se passait-il avec eux? How did things move along with them? Answer. We could communicate with the Chinese technician through an interpreter. We would do the work according to the interpretation. Et c'est par l'interprétation. And there were southwest zone cadres there. Les cadres de la zone sud-ouest. Wait and see. Était là. Interpreter would interpret what was said by the Chinese technician. Traduisait les propos du technicien chinois. And we receive the assignment on a daily basis. After we completed our assignment today, we had another assignment the day after. Donc, lorsque nous achevions le travail une journée, nous recevions une nouvelle tâche le lendemain. Donc vous rencontriez les Chinois tous les jours, c'est bien ça? So you would meet the Chinese technicians every day, is that correct? Answer. I met the Chinese technician every day, je les voyais except tous les jours, on weekends. Sauf le week-end. And the Southwest Zone cadre would replace the Chinese technicians on weekends. Le week-end, c'était les cadres de la zone sud-ouest qui remplaçaient les techniciens chinois. Dans votre compréhension des choses à l'époque, est-ce que c'était les Chinois? Est-ce que vous auriez été d'accord avec l'idée que c'était les Chinois qui dirigeaient ce chantier? That, the Chinese were the ones managing the work site? President, you may now proceed, Deputy Co-Prosecutor. La parole est à l'accusation. Merci. La question est ambiguë parce qu'il y a plusieurs niveaux de direction. Il y a le volet technique, il y a le volet administratif, sécuritaire, etc. Donc il me semble que la question n'est pas assez précise pour appeler une réponse précise. Precise enough to call for a precise answer.
je vais préciser. Well, okay, I'll be more specific then. Comment répartiriez-vous les responsabilités au sein de ce chantier entre les cadres de la zone sud-ouest et les Chinois? Among between the cadres of the Southwest Zone and the Chinese technicians back then. Answer. As for the plan of the Chinese, the plan would be sent to the Southwest Zone Cadre, and then the Southwest Zone Cadre would instruct us on the plan. And as I stated earlier, Southwest Zone Cadre would replace the Chinese on weekends. La fin de semaine, enfin le week-end, c'était les cadres du Sud-Ouest qui remplaçaient les techniciens chinois. Mais vous avez dit aussi que durant la semaine, ce sont les Chinois qui vous donnaient quotidiennement directement des instructions. C'est exact. It was the Chinese technicians who would give you orders. Isn't that the case? Answer. Once in a while, we receive such order from the Chinese. Il arrivait que les Chinois nous donnent des ordres. Il y a quelques minutes, vous avez parlé de réunions quotidiennes avec les Chinois. C'est une erreur de traduction ou vous en avez bien parlé? I did not participate in the meetings with the Chinese. Je n'ai pas participé aux réunions avec les Chinois. And the Southwest Zone Cadre would not call us into the meeting. And if they wanted us to do the assignment, they would ring the bell and they would come to call us to go to the work site. I never attended or participated in any meetings with the Chinese. Et cette cloche, elle valait uniquement pour votre unité ou elle était destinée à tous les travailleurs du chantier? Was that rung only for your unit or for all the other workers on that work site? Answer. There was one in the unit or in the in each hall. There was one bell in each unit or in each hall. And regarding the belt at my unit, it was located right at the corner of my unit. And when we heard the belt, we would line up and we get ready and took our tools to work. Est-ce que vous pourriez nous dire si à l'époque portiez encore des attributs time, militaires? Est-ce que vous aviez des vêtements encore de type militaire lorsque vous avez travaillé sur ce chantier, vous et les autres travailleurs? Did you have to work in your military attire, you and other workers in your unit? Réponse. S'agissant de l'uniforme militaire, des vêtements the one who supervised me was in the military uniform. Celui qui me supervisait portait un uniforme militaire. My colleague and I wore a black tie attire. Mes collègues et moi-même étions vêtus de noir. Et ce superviseur venait d'où? And where was that supervisor était, from? De la même zone que vous ou d'une autre? Was he from your own zone, the same zone as yourself? Answer.
he or she was from the southwest zone. Cette personne venait de la zone sud-ouest. Lorsque vous avez été interrogé hier, vous avez déclaré que vous aviez remarqué dans les effectifs des travailleurs sur ce chantier que les femmes avaient subitement disparu. Or, nous avons entendu hier également à cette barre un témoin qui appartenait comme vous à la division 310 qui avait été affectée à ce chantier et qui nous a décrit à cette barre la présence de femmes. Il y a également, je le cite pour référence, un autre témoin qui n'a pas comparu, qui ne doit pas comparaître d'ailleurs, qui a déclaré, qui a décrit également la présence de femmes sur ce chantier. Je cite la référence, c'est la cote 19.149 ERN Khmer 00054136, français 008-29-678 et anglais 008-21-981. Donc ma question est la suivante, monsieur, est-ce que vous confirmez cette disparition totale et subite de femmes du chantier ou est-ce que... Vous pouvez nous donner peut-être davantage d'explications sur ce point. And can you provide further explanations on that point? Answer. Regarding female workers, there were none at my workplace. But perhaps there were female workers in other units. As I stated earlier, there were many female workers from the southwest, from the east zone, and I did not know whether there were females workers from the north zone. Perhaps there were, but I did not know about that. And once again, there were no female workers in my unit. Il n'y avait pas de femmes dans mon unité. Enfin, j'en ai presque terminé. Est-ce que vous pourriez nous dire si pendant votre affectation sur ce chantier de l'aéroport, vous deviez suivre des sessions d'éducation? I did not attend any of these kinds of meetings. Réponse, je n'ai pas participé à aucune de ces réunions, ce type de réunion. Est-ce que l'on pourrait en conclure que cela signifiait que vous étiez supposé vous forger vous-même? Sans aide extérieure, est-ce que c'est une conclusion possible? Do you confirm that? I acknowledge the issue of tampering. At the work site. Nous étions refaçonnés sur le site de travail. Regarding the nature of the work au sujet that de la I nature did, du travail que j'effectuais, it was really labor intensive. C'était and I have intense told you repeatedly travail, on the hardship of the work that I did, including digging the ground, uprooting tree roots, and carrying rocks. Arbres, le sol, and I hate to work day and night. Jour et nuit. Whenever the bell was rung, I hate dès to be ready to go to work. And even if while it was raining, I had to go to work. Il pleuvait, il and there were no questions to ask. I had to simply déposer. Follow the instructions and the work assignments on the ground. Et la tâche qui nous était confiée sur le terrain.
We simply did what we were asked to do. Nous faisions ce que l'on nous demandait de faire, c'est tout. And at night time, sometimes we had to work up to 4 hours, sometimes we were a little bit less. Travailler pendant 4 heures, parfois un peu moins. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez conscience du caractère secret de ce projet d'aéroport avec des grottes pour cacher les avions, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience à l'époque? Cave dug out for hiding planes. Is that something you were aware of during that period? I did not have any knowledge of any confidential work done at there. I only knew about the work in open. I did not know about any secret cave being dug out at the airfield. J'en ai terminé avec mes questions. Je crois que mon confrère Aung Samon a quelques questions à vous poser également. I believe my colleague Aung Samon has some questions for the witness as well. Som Cheng Long Mitwi, Aung Samon. President, Counsel Aung Samon, you may proceed. Maître Aung Samon, allez-y. Aung Samon, thank you, Mr. President, and good morning, everyone. Bonjour. And good morning, Mr. Hemhorn. Bonjour, Monsieur Hemhorn. I have some questions that I'd like to seek your clarification on, in particular in relation to your work at the Kapong Chenang Airport work site. You said you were attached to Unit 17. Was that unit formed when you were in Kampong Chenang, or had it been formed while you were in Phnom Penh? Où a-t-elle été formée lorsque vous étiez à Phnom Penh? Answer: it was established at Ong Long Kanyan. Cela a été créé à Ong Long Kanyan. Question, please. Elaborate a little bit further on this Unit 17, for example, who was in charge? Dire, par exemple, qui était responsable de cette unité. Answer. Réponse. Yes, there was a chain of command from a group chief upward, but I did not know their names. Chef de groupe ou encore au-dessus, mais j'ignorais leur nom. Question. Question. How long had the unit been formed at Ong Long Kanyan before you were transferred to work at Kapong Chenang Airfield? Pendant combien de temps cette unité a-t-elle existé à Ong Long Kanyan avant que vous ne soyez transféré? Answer, it was less than 3 months. Moins de 3 mois. Before I was sent to Kapong Chenang work site. Moins de 3 mois se sont écoulés avant que je sois envoyé au chantier de Kapong. So allow me to clarify first. I was removed from Regiment 12 and reintegrated into the so-called Unit 17, and then I was sent to Kampong Chenang Airfield work site, and I had to follow all the regulations set forth. Since the formation of Unit 17, all the people or cadres in the supervisory roles were those from the Southwest group. Un rôle de supervision. When I was with Regiment 12, I had some roles to play, but when I was reassigned to Unit 17, I was demoted to an ordinary laborer. J'ai été dégradé, je suis devenu simple ouvrier. Question. You stated this morning question, that there were about 50 members of the Unit 17. Dans l'unité 17. Do you refer to the number of the people in Unit 17 since you were at Ong Long Kanyan? President, the deputy co-prosecutor, you may proceed. Président, co-procureur, vous avez la parole.
Merci. Je crois qu'il y a une erreur d'interprétation. Tout à l'heure, nous avons entendu le témoin parler de 50 personnes, sans d'ailleurs qu'on sache si cela représentait l'ensemble de l'unité 17. Et dans la traduction française qu'on a entendue maintenant, on a parlé de 15 personnes. Donc je crois qu'il y a une erreur de traduction, d'interprétation. I just mentioned the number of 50, that is 50, and witness can confirm that. Le témoin pourra le confirmer. The number of workers, I can tell you, but I cannot recall all the names of those people. Council, please just mention the number of the 50 people. Can you confirm that the members of Unit 17, the total 50, since you were at Longgan? And did the number remain the same when you were transferred to work at Kampong Chang Airfield? Answer. When we were called to line up, we were told that there were 50 of us and that we were assigned to go to work at Kampong Chang Airfield, and we were tracked out in five vehicles. And when we arrived at the airfield, we were dispersed into various locations. That's all I can recall. Question. And when you were dispersed, were you sent to different or separate sleeping quarters, but you were still part of the Unit 17 and that you were jointly as forces under Unit 17? Vous travailliez tous ensemble dans le cadre de l'unité 17, en dépit du fait que vous aviez été dispersés pour travailler à différents endroits. The unit number remained the same. However, the sleeping quarters and the work stations were different. Les postes de travail étaient différents. Question regarding the leadership at that unit, and you said that they were all the supervisor group. Vous avez dit Can que you les dirigeants tell the de court how many groups there were in Unit 17 and how many Southwest leaders? Et combien de dirigeants de la zone sud-ouest Answer. Il y avait. Do you want me to refer to the leadership figure from the vous group chief Abbott? Vous donne yes, le that is nombre correct. De personnes qui supervisaient à partir du chef et au-dessus. Réponse. Question. Oui, c'est exact. The Southwest groups who were in the leadership role, ranging from group chief upward within Unit 17. Question. I'd like to know the number of the Southwest cadres who were in the leadership role in that unit. For example, there could be three groups in Unit 17, so there were three Southwest group leaders. What about the deputies? This is just an example to give you a Voilà un exemple pour vous aider. Answer. For each squad, there were three members. Pour chaque escouade, il y avait trois membres. And then there were nine groups, and each group was headed by a Southwest cadre. And from what I can recall, there were a total of 10 Southwest cadres who were in the leadership role in that unit. However, I cannot recall their names. Question.
What observation did you make regarding the behavior of those leaders who were Southwest countries du comportement de in ces the chefs unit qui 17? Can you see any distinction in their 17? Leadership? Avez-vous vu des distinctions en termes de direction? Answer. The distinction that I observed was discrimination. J'ai vu they qu'il y regarded avait de la us as traitors and they controlled us. They never spoke comme des pleasant words to us. Ne nous disaient jamais de they were firm on their words and they were firm on the work assignment given to us and we were not allowed to protest or to refuse, otherwise we would be disappeared. For that reason, none of us dares to express our protest or objection, even if we could not complete the work quota during the daytime, we had to do it during the afternoon, the evening, or sometimes we had to work throughout the night to complete the work quota. Question. Pour terminer, le quota de travail you also testified this morning question, vous avez également dit ce matin about your fear, que your vous aviez fear peur. Of... those leaders vous aviez peur within your group and your unit, groupe, and you unité. Also said that you did not even dare look at their faces as you were afraid you would be taken away and vous killed. Aviez peur d'être emmené et exécuté. And you also mentioned that those people were illiterate. Vous avez également dit que ces personnes étaient and that it was possible for you to change your name. Et que vous avez eu la possibilité de changer votre nom. And I'd like to ask you an additional question on this point. J'aimerais vous poser une question supplémentaire à ce propos. What words or what activities that quelles make activités you fearful of your leaders or those Southwest cadres who were in the leadership role in that unit. Can you please give us some examples? Pourriez-vous nous donner des exemples de ce qui a inspiré cette answer. Peur? They ask us, do you want to live or to die? Demandé, vous voulez vivre ou vous voulez mourir? And if you want to die, you tell us. Si vous voulez mourir, dites-le nous. And if you want to live, just si keep on vivre, working and travailler. Working hard. Et travailler dur. And I know that they were illiterate because they could not write properly. Even the way they handle a pen même à la façon de tenir was leur stylo. A sign indicative of their on illiteracy. And that's the reason that I could alter my biography. C'est ce qui m'a permis de modifier ma biographie. So I could change some information on my biography paper quickly. Informations rapidement sur ma biographie. Question. Then is it correct if I summarize the following? That you were est-il fearful because you were threatened by those Southwest cadres or leaders? Par ces cadres ou ces dirigeants chefs de la zone answer, sud-ouest. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. And not only I was fearful of them. Et je n'étais pas le seul à avoir peur d'eux. All my peers faced the same situation. Tous les autres, tous mes pairs se trouvaient dans la même situation. Questioned. And what are the activities that you can tell us regarding the threat that the Southwest cadres quelles activités pourriez-vous nous citer? Showed? You testified yesterday that if you were to trespass the area or to move from one unit to another, then you would be arrested and killed. And were there any disciplinary actions taken against those workers who violated the work regulations or the rules on the ground? Aller à l'encontre des règles ou des règlements sur le terrain.
answer. One day I was told by my peer worker réponse. Un jour, that a person from another unit pairs, un travailleur, m'a dit went que quelqu'un to a nearby unit and as a result he was arrested. So by having seen that such an example, we warned our peer workers not to move freely or to go to another nearby unit. And we stayed wherever we were assigned to work. We didn't even dare to take a shelter under a tree nearby. Question. Also on the issue of being fearful that you mentioned, that you didn't even dare to look at the faces or the eyes of the southwest cadres. Les cadres de la zone sud-ouest dans les yeux. Did this kind of fear have influence on your work and your living condition on site? Et sur vos conditions de vie sur le site? Answer. Their activities and attitudes were different from ours. Réponse. They were not friendly to us. They did not come and chit-chat to us. Bavarder avec nous. And they simply ignored us. Ils nous ignoraient, tout simplement. They only gave us instructions and that we had to complete the work full time. Ils nous donnaient des instructions et ils nous disaient qu'il fallait. And if we could not do it, we needed to send a representative to tell them that we could not finish it and that we had to do extra hours to complete the work quota. Even if we were so fatigued while we were working, they simply were careless of what we did. And they were always firm on what on the words they spoke to us. Et ils étaient également fermes dans les mots qu'ils utilisaient envers nous. Question: if you want to add more, please do so. Otherwise, I am done. And Mr. President, I am done with question, this witness. Si President, j'en ai thank terminé. You. Le président, je vous remercie. The hearing of testimony of this witness, Herm Horn. It's now concluded, and for the afternoon session, after our lunch break, the chamber will hear testimony of a civil party, that is to TCCP 247. This is for all parties and the Republic. And Mr. Herm Horn, the chamber is grateful of your presence to testify before this chamber as a witness during the last 2 days. Your testimony will contribute to our seeking for the truth in this matter. Your testimony is now concluded. And you may return to your place of residence, and we wish you all the best and safe journey. Court officer, please collaborate with WISU to make necessary transportation arrangements for this witness to return home. It is now convenient for our lunch break. We take a break now and resume. De suspendre l'audience pour la pause déjeuner. Nous allons at 1:30 this afternoon. À 13h30 so that après-midi. We can continue our proceedings and security personnel just started to take his pawn to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings assurez this afternoon cet après-midi à l'audience before 1:30. Avant 13h30. The court is now in recess. Suspension de